Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui d'une télécommande, la Xiaomi RC. Une télécommande très spéciale puisque avec cette télécommande que je vous ai mis ici en gros sur votre écran, pour moins de 10 euros, cette télécommande en Bluetooth va faire un vrai petit miracle avec différents appareils. Cette télécommande est équipée donc de deux piles triple A, donc vous allez pouvoir changer vos batteries vous-même. On va voir à quoi peut servir cette télécommande, c'est super intéressant, et vous allez voir l'utilisation de cette télécommande avec un smartphone ou une tablette, c'est vraiment génial. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision High Tech sort une vidéo. C'est super important pour la chaîne, pour le référencement. Je compte sur vous, un petit like, ça fait plaisir, un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette télécommande. Bienvenue sur Vision High Tech. Et c'est parti pour le jumelage de cette télécommande Bluetooth Xiaomi RC qui vient directement de chez AliExpress pour moins de 10 euros. Et vous allez voir qu'on peut faire vraiment de vrais petits miracles avec cette télécommande. C'est parti. Alors cette télécommande va se jumeler en Bluetooth. Et sur cette télécommande, on ne trouve pas forcément énormément de boutons. Complètement en haut, on trouvera le bouton marche, arrêt. Dessous ce bouton, on aura donc le bouton de la reconnaissance vocale pour lancer l'assistant vocal que vous désirez. Google Assistant, Alexa, etc. Donc aucun problème. Juste dessous, vous allez avoir le joystick. Je vous ai mis la télécommande en très gros sur votre écran. Juste dessous, on aura donc le joystick avec au centre le bouton valider. Dessous, on va retrouver donc trois boutons. Si on part de la gauche vers la droite, on aura donc le bouton Home, le bouton Retour et le bouton Menu. Juste dessous, on aura donc deux boutons propriétaires qui vont lancer les applications que l'on désire. Ici, celui de gauche a été dédié pour Netflix, celui de droite pour Live. Et enfin, on va donc trouver une petite barrette verticale qui sera la touche pour augmenter ou diminuer le volume. La télécommande, comme je vous la montre ici, est Ultra Design. Pour lancer l'appairage Bluetooth, pour lancer la télécommande en mode appairage, vous allez appuyer sur les deux touches sous le joystick, donc le bouton Home et le bouton Menu en même temps pendant à peu près 7 à 8 secondes. Une fois que vous appuyez sur ces deux boutons, vous lâchez et vous lancez l'appairage. Vous vous dirigez tout de suite dans les paramètres de votre appareil, dans Bluetooth, et vous attendez que Xiaomi ou Xiaomi RC apparaît. C'est parti. Ici, l'exemple, je vais le faire sous Android. Alors cela fonctionnera avec tous les smartphones sous Android et les tablettes sans problème. Donc cette télécommande, vous allez voir qu'elle fait vraiment de vrais miracles. Et là aussi, je pense à des personnes en situation d'handicap des membres supérieurs, donc des personnes en situation de mobilité réduite des membres supérieurs, cette télécommande pourra être vraiment d'une aide très précieuse. On va l'appairer, c'est parti. On va dans les paramètres. Bluetooth. On déroule le centre de contrôle et on ouvre Bluetooth. Vous vous rendez donc dans les paramètres de votre appareil, vous allez dans Bluetooth et vous recherchez Xiaomi RC. C'est parti. On met notre télécommande en mode appairage. On appuie sur les deux boutons pendant à peu près 7 à 8 secondes. Xiaomi RC. Voilà, donc la télécommande apparaît ici. On la valide double tap. 6956. Demande d'appairage Bluetooth. Demande d'appairage Bluetooth. Associé à l'appareil Xiaomi RC. On vous propose donc d'associer la télécommande à votre téléphone. Annuler. Associé. Bouton. Associé. Et vous allez sur le bouton associé. Bluetooth, Xiaomi RC, appairage en cours, dans la liste, véritable 5DB 5025. Et maintenant les amis, c'est là que la magie opère. Puisque grâce à cet appairage, grâce à cette télécommande, vous allez pouvoir gérer votre smartphone Android
avec cette télécommande tout en faisant des recherches vocales. Avec la reconnaissance vocale, ça va être vraiment plus simple. On revient donc à l'écran d'accueil. Ah, par exemple, ici, j'appuie sur Home. Écran d'accueil à nuit, rechercher dans la page. Je peux maintenant éteindre ou allumer mon téléphone avec le bouton d'en haut. Écran désactivé. 13h55. Utiliser l'écran désactivé. Voilà, donc j'éteins et j'allume. Alors, avec cette télécommande, je trouve ça vraiment génial puisque une personne en situation de handicap moteur, des membres supérieurs, une personne handicapée visuelle, malvoyant ou non-voyant, pourra gérer son smartphone, sa tablette, grâce à cette télécommande qui ne coûte que une dizaine d'euros. Et ça, franchement, c'est le top. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description. Vous trouvez cette télécommande sur AliExpress. Franchement, en plus, c'est leur anniversaire. Ça tombe bien. Alors, on pourra lancer avec le deuxième bouton, donc sous le bouton marche arrêt, notre assistant vocal. Météo demain à Paris. Affichage des articles. Le ciel sera principalement affichage ensoleillé demain à Paris. Sur un total de la 14. Température maximale prévue sera de 12 degrés et la minimale de 1 degré. Je reviens à mon écran d'accueil. Voilà. Store, dans la page. Avec mon joystick, je peux circuler dans les différentes applications. Téléphone, en dehors de la Galaxy Store, Galerie, Play Store, Google, Dossier, si 77 je... notifications, Play Store. Je vais rentrer dans Play Store. Play Store, sélectionné pour... Je circule dans Play Store. Meilleur classe enfant, type catégorie, type choix de l'équipe. Connecté en tant que test et astuce IT application, geste application. Je peux vraiment circuler comme je veux à partir de cette télécommande sur mon smartphone, sur ma tablette. C'est vraiment très agréable. On va faire une recherche vocale. Rechercher des sélectionnés pour vous, titre. Rechercher des recherches vocales, bouton. Je peux donc relancer une recherche vocale, par exemple. Les... aveugle. Remonter d'un niveau, bouton, Play Store. J'ai fait une recherche d'application pour aveugle et je peux circuler dans ces applications avec ma télécommande. Je peux revenir sur mon écran d'accueil. Pour vous sélectionner, pour vous, titre, hors de la liste. Donc au fur et à mesure, je reviens avec le bouton qui est juste le joystick flèche bas. Je reviens sur les écrans précédents. Écran d'accueil à nuit. Je peux remonter mes applications que j'ai ouvertes avec le bouton complètement à sa gauche, le bouton Home. Applications récentes. Voilà, donc j'ai toutes les applications récentes. Et si je veux tout fermer d'un seul coup, je fais flèche bas. Google Play Store, please, tout fermé, bouton, hors de la liste. Tout fermé, je valide sur OK. Rechercher Galaxy Store dans la page, appuyer sur sélectionner pour activer, appuyer sur sélectionner et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée, action disponible. Par exemple, si je veux ouvrir le menu contextuel sur une application, par exemple, Galerie. Sur Galerie, je vais faire un appui long sur le bouton OK, écoutez ce qui se passe. Trois options rapides pour Galerie. Supprimer, bouton, select, bouton. Et si je veux refermer ce menu contextuel, Galaxy Store, dans la page, j'appuie sur le bouton retour. Si je veux ouvrir donc toutes mes applications, je vais aller sur Applications. Téléphone, message, appareil fort, appli. Écran application, page 3 sur 4. Et comme vous pouvez voir et entendre, je ne touche en aucun cas mon écran. Je gère l'intégralité de mon smartphone à partir de cette télécommande. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle fonctionnalité à partir d'une télécommande. Gérer votre smartphone comme une télé, c'est vraiment ultra sympa. D'ailleurs, en parlant de télé, on peut lui demander d'ouvrir J'ouvre France s'inscrire, TV. Bouton. On peut donc ouvrir France TV. Inscrivez-vous pour profiter, se connecter, pas maintenant, bouton. Accueil de France.tv, en tête. On peut donc ouvrir France TV et gérer votre smartphone comme si vous aviez une télé sous les doigts. Et ça, c'est vraiment ultra sympathique. Chaîne, tabulation, 0, 8, 9. Alors bien sûr, le bouton de reconnaissance vocale, vous pouvez utiliser soit Google Assistant, soit Bixby, soit Alexa, c'est votre choix. Les deux boutons sous le bas avec votre smartphone vous serviront à rien. Et le bouton de volume, bien sûr, va toucher à votre volume de votre smartphone. Volume du flux accessibilité réglé sur 100%. Voilà. Mais appli, horloge dans la page, calendrier, major Microsoft, en dehors de la... On va aller sur application. Oui, SNCF, Orange TV, Netflix, My Eyes, My Canal, Monsieur Loom, Molotov. On va ouvrir Molotov. Molotov.
Souscrire sans libellé. Dans Molotov, je me suis positionné sur les chaînes. TF1, 1 sur 4, dans la liste. Et on pourrait par exemple lancer TF1. En ce moment sur TF1, ligne 1, dans la grille, 20 lignes, 5 colonnes. Affichage des articles 1 à 13 sur un total de 80. Voilà, donc avec cette télécommande, vous l'avez bien compris, on peut gérer donc un smartphone sous Android, une tablette sous Android. Malheureusement, ça ne fonctionne pas sous iOS avec l'iPhone, c'est vraiment dommage. Mais dans tous les cas, si vous êtes équipé d'un Android, cette télécommande pourra vraiment vous aider à gérer votre smartphone comme une télé. Et ça, je trouve ça plutôt super cool. Pour moins de 10 euros, vous avez une superbe télécommande. Je vous mets tous les liens dans la description. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous sur Vision Hightech. Salut à tous!